Bonjour les amis. Bonjour les amis. Nous sommes au Grand Palais, là où sont rassemblés tous les dictateurs. Macron qui a reçu. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Libérons le Congo. Libérons le Congo. Libérons le Congo. Libérons le Congo. Libérez. 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 Balekate. 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 Voilà les amis. Nous sommes devant le Grand Palais. Là où se déroule le sommet de la France-Afrique. Le sommet néocolonial. Une façon encore pour eux d'humilier. D'humilier les Africains. Emmanuel Macron a reçu les dictateurs africains. C'est inacceptable. C'est criminel. Génocidaire. Assassin. Il tue. Sassou Nguesso. Assassin. Sassou Nguesso est là. Sassou Nguesso est là. Le Grand Palais est là. Ils sont réunis ici. Ils ont barricadé. Ils ont barricadé tout Paris pour empêcher, parce qu'ils ont peur des manifestants. Libérez l'Afrique. Libérez le Congo. Libérez. Libérez. Macron assassin. Macron assassin. Macron assassin. Vous avez refusé les autorisations. Vous avez refusé nos autorisations. Nous avons pris nos responsabilités. Voilà. Libérez. Macron, Macky Sall, Macky Sall, dégage, Ouattara, dégage, Ouattara, dégage, Ouattara, dégage, Ouattara, dégage, barrez la route, barrez la route, personne ne passe, libérez, 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 libérez l'Afrique, libérez, concentrez-vous, libérez l'Afrique. Libérez, 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 libérez l'Afrique. Non, non à une rencontre avec les dictateurs qui tuent chez nous, qui tuent chez nous. Papa Boketua Yambo, il est arrivé depuis la Belgique. Bokoto, Bokoto, mon frère Bokoto, Boketua Yambo, il vient de la Belgique. Depuis la Belgique. Macron, complice, 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 complice. Assassin, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, assassin, Macron, complice. Macron, complice, Macron, complice, Macron, complice, Macron, complice, Macron, complice, Macron, complice. Voilà, nous sommes au Grand Palais. Il y en a marre, il y en a marre. Sassou Nguesso, dégage. Sassou Nguesso, je vais te coller à la peau. Sassou Nguesso, dites à Sassou Nguesso. On va le coller à la peau. Trop, c'est trop. Arrêtez-nous. Voilà, vous passez, vous allez où? Il y a le sommet de la France-Afrique. Le sommet de la France-Afrique. Qui finance qui? Ce sont les mêmes qui vont piller nos richesses en Afrique. Et en particulier le peuple congolais. Trop, c'est trop. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique! Libérez l'Afrique!
Monsieur Macron a reçu les dictateurs africains ici qui pillent, qui tuent des criminels. Ils sont tous là. Nous aussi, nous sommes ici. C'est parce qu'on nous empêche de vivre chez nous. Libérons l'Afrique. On n'a pas peur de vous. Les amis, partagez le direct. Libérons l'Afrique. Dites à monsieur Macron. Nous l'attendons en 2022. Nous l'attendons en 2022. Voilà. Libérez. Libérez l'Afrique. Celui qui me touche, c'est un homme mort. Libérez. Les assassins sont là à l'intérieur. Libérez l'Afrique. Macky Sall dégage. Ouattara dégage. Sassou Nguesso dégage. Faye Simba dégage. Idriss Déby, fils, dégage. Libérez. Macron, dictateur. Voilà, ils veulent barricader, ils vont nous encercler. Libérez l'Afrique! Moi, on ne me touche pas! Libérez l'Afrique! Mes ancêtres sont avec moi, vous ne me touchez pas! Libérez l'Afrique! Voilà, tu me touches, tu meurs! Voilà, les amis! Si nous ne savons pas nous indigner, face à des choses qui sont vitales pour l'Afrique de demain, pour nos enfants, c'est inutile. Acceptons de retourner en esclavage. Parce qu'un continent qui n'a pas sa monnaie, qui dépend de la France pour se fabriquer une monnaie, c'est un continent qui est encore sous l'emprise coloniale. Et ces dictateurs sont contents, heureux de venir en France, convoqués par un gamin, Emmanuel Macron. Un gamin qui les a convoqués et des vieilles personnes comme les Ouattara, comme les Sassou, sont contents de venir à l'invitation. À l'invitation d'Emmanuel Macron, qui finance qui? Ils veulent parler de financement de l'Afrique. Quel financement a déjà sauvé l'Afrique 60 ans après les indépendances? Les pays africains qui nourrissent la terre entière sont encore des pays pauvres, très endettés. Qui finance qui? L'Afrique finance. Et ces sous-préfets sont contents de venir en France convoqués par Emmanuel Macron, un gamin. Qui finance qui? Emmanuel Macron a reçu les dictateurs africains. Ici au Grand Palais, les dictateurs africains sont là, des criminels génocidaires qui tuent leur peuple. Des génocidaires, et ils sont contents de venir. Voilà, vous avez refusé des autorisations parce que la diaspora africaine fait peur à Macron. Macron a refusé toutes les autorisations. Tout Paris est barricadé aujourd'hui. Barricadé, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et on a bravé cet interdit. On est là. Oh, Ekoya, Eya.
ça passe. C'est mon pays qui paye tout ça. Bande d'enfoirés. Voilà les amis, nous sommes au Grand Palais. Nous sommes au Grand Palais. Macron et ses dictateurs sont à l'intérieur. Et tout à l'heure à 20h, ils iront. Ils auront un dîner. Les couples présidentiels auront un dîner avec Macron. À 20h, nous serons là à l'Elysée. Nous n'irons nulle part. À 20h, nous serons à l'Elysée. Les amis, toi qui n'as pas encore compris que c'est un continent qui nourrit ce pays, regardez, regardez, regardez. La tour Eiffel est là derrière nous, juste à 100 mètres. Et le Grand Palais est là. Tout ça s'est construit avec l'argent de l'Afrique. L'argent qui pille en Afrique. Si toi, tu es content, moi, il ne me touche pas. Vous ne me touchez pas. Je suis une reine de mon royaume. Ah oui, un policier ne me touche pas, moi. Je suis une reine. Je suis une princesse de mon royaume. Moi, on ne me touche pas. Non, dictateur, à bas la France-Afrique. Non, dictateur. Vous êtes où, les Congolais? Les Congolais, vous êtes où? Le criminel génocidaire qui a tué parfait Kolela est là. Et vous êtes assis chez vous. C'est ici qu'on vous attend. Ici, au Grand Palais, à l'hôtel Bristol, là où est logé Sassou. Ce soir, à 20h, devant l'Elysée. Vous êtes où? Vous êtes où? Attention maman, il y a un groupe qui vient derrière. Faut pas aller là-bas, toi contourner Bango Boye. Toi contourner Bango Boye, ils vont tomber sur l'autre voie là-bas. Ils veulent juste nous éloigner du Grand Palais. Voilà les amis, j'ai contourné. Les frères sont passés de l'autre côté parce qu'ils veulent nous enfermer quelque part. Ils veulent nous enfermer quelque part. Mais il faut qu'il y ait toujours des gens qui vont se sauver pour continuer la lutte. Au cas où on aurait arrêté. Suivez-moi les mamans, suivez-moi, venez. Même si on doit arrêter tout le monde, si on doit arrêter tout le monde, il y a quelques-uns qui doivent rester libres pour continuer cette lutte. Donc on ne peut pas se faire arrêter tous. Donc je les ai laissés passer de l'autre côté. Africains, ça doit vous révolter. Ce genre de choses doit vous révolter. Nous, on n'aime pas l'Afrique plus que vous. Vous qui êtes assis à la maison. Emmanuel Macron a reçu ses dictateurs, il est tranquille. Il sait que les Africains adorent tellement l'argent. Les Africains sont venus en France, ici, là, pour gagner de l'argent. Donc, pour un Africain, poser une journée sans solde, c'est trop lui demander pour l'avenir de ses enfants sur le continent. C'est trop vous demander. Faire un sacrifice pour les futures générations, les générations de nos enfants, c'est trop vous demander. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, en train de crier... Ça se dégage, Macky Sall dégage, Paul Biya dégage. Maintenant là qu'on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Est-ce que c'est nous qui sommes trop bêtes? Est-ce que c'est notre peuple qui est tellement ignorant? Qui pense que aujourd'hui Emmanuel Macron aime tellement l'Afrique pour organiser ce sommet-là pour le financement économique des États africains? Et vous êtes là assis chez vous. Je n'arrête pas de publier depuis ce matin. Je n'arrête pas de publier depuis ce matin. Et vous êtes là, chez vous assis. Vous attendez toujours que ce soit les mêmes qui fassent le combat pour vous. Vous attendez encore qu'il y ait un Thomas Sankara qui va s'incarner. Vous attendez la réincarnation de Thomas Sankara ou de Patrice Lumumba pour venir encore sacrifier leur vie pour vous. 30 ans après la mort de Thomas Sankara, les Africains sont toujours là assis. Personne pour continuer le combat de Thomas Sankara. Personne. Bumba. Personne, vous êtes là assis. Emmanuel Macron a reçu tous les dictateurs africains à l'Elysée, peuple français.
Tous les dictateurs qui nous tuent, qui poussent la jeunesse africaine en Méditerranée sont là. Tout simplement parce qu'on a un peuple. Ces hommes-là. Pour faire ce qu'ils font, Babimi Nanzela Oyo. Au moins, la police est vendue partout. Il y a la police, Bazom et Babango. Pour n'avoir qu'un Gabango. Au moins, la police, elles ont se positionné. Bazo se positionner. Ils ont déjà les bombes lacrymogènes en main. Quand Bazo pousse Bamokuna, on va les arrêter ici. Vous êtes là assis devant chez vous. Pourquoi? Pourquoi des gens doivent mourir pour vous? Ma soeur, ne fuis pas, appelle le doyen Beu. Ma soeur, appelle le doyen Beu. Il est en train de. Il m'appelle, il est en train de m'appeler pendant que je fais le direct. Dis-lui là où nous sommes. On les a arrêtés tous, hein, voilà. Les véhicules sont venus pour arrêter nos frères. Voilà, les véhicules sont arrivés pour arrêter nos frères. Voilà. Les véhicules sont arrivés pour arrêter nos frères. Les véhicules sont arrivés. Donc ceux avec qui on devait faire des actions aujourd'hui et demain seront arrêtés. Pendant ce temps, vous, vous êtes assis chez vous à la maison en train de manger la semoule. Et c'est nous qui devons mener le combat à votre place. Parce que pourquoi tu as fait la misère en Afrique, tu es venu ici, où tu as les pâtes, où tu as la semoule, où tu as les cuisses de poulet empoisonnées avec plein de produits chimiques. Et tu es content. Pour toi, tu as réussi. Le reste, tu t'en fous. Que nos frères qui sont en Afrique crèvent ou meurent, ce n'est pas ton problème. Bon, Bangate, n'ayez pas peur, mes soeurs. Même si on les arrête, notre combat est noble et légitime, on ne va pas les arrêter pour longtemps. Un peuple qui n'a pas sa monnaie, 60 ans après les indépendances, et vous vous dites un peuple. Et vous n'avez toujours pas compris que pour la France, nous sommes des objets. Tant qu'ils peuvent nous tuer pour construire tous ces immeubles-là avec l'or, le diamant, l'uranium de l'Afrique, ils s'en foutent. Emmanuel Macron a reçu les dictateurs africains là. Bazoya, Bazoya, Bangowana Bazoya. Venez, venez, venez. Venez, on traverse ici. Ils sont en train de me suivre. Emmanuel Macron est un criminel, le complice des dictateurs. Emmanuel Macron est un criminel. Oui, je me permets de faire tout ce bruit dans la rue du 7e arrondissement de Paris parce que Emmanuel Macron a reçu les dictateurs d'Afrique, M. Sassou Nguesso, un génocideur, un criminel qui vient d'empoisonner et tuer son adversaire politique, est ici. La délégation de Pelbia sont ici. La délégation du Gabon sont ici, ces criminels. Ils ont transformé l'Afrique en royaume pour les intérêts de l'Elysée. Monsieur Sassou Nguesso est venu, a été reçu pour financer la campagne d'Emmanuel Macron de 2022. Et peuple français, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Emmanuel Macron a reçu des dictateurs africains ici. Parce qu'il a besoin d'argent pour financer sa campagne de 2022. Et on ne nous donne pas l'autorisation de manifester. Les amis, la police est en train de me suivre. Hein? Ils veulent m'arrêter. Les amis sont là-bas. Il y a des véhicules de police qui sont arrivés. Mais je vous demande, les amis, de me rejoindre. Retrouvez-moi à l'hôtel Bristol. On doit aller. Vous les hommes, les Congolais, qui faites du bruit sur Facebook, qui faites du bruit sur Facebook, je vous attends à l'hôtel Bristol de Sassou. Je vous attends. Je vous attends à l'hôtel Bristol de Sassou. À 20h, ils sont à l'Elysée. À 20h, ils sont à l'Elysée. Et ils reviendront toujours par là. On ne sait plus comment vous parler. Un peuple qui veut être esclave volontairement. L'Élysée est en train de chier sur nous.
même ma bangote. Pas comme ma bango, au monde va véhicule nous sur la police et yewana. Ba véhicule nous sur la police et les kiwana, ils apprennent à pas même ma bango. Pas comme ma bango na commissariat, na le bakina bango va dire la pièce d'identité na bango. Moi je suis venu avec ma pièce d'identité. Là même s'il m'arrête, mon combat il est légitime. Ça sont ceux qui tuent les enfants de chez moi. Ça sont ceux qui affament le peuple, mon peuple. Et ici, il a ramené des malades d'argent pour financer les partis politiques français, pour s'éterniser au pouvoir. Et vous voulez que je reste assise chez moi? Hein? Vous êtes où, peuple français? Après, la France va nous parler des droits de l'homme. On nous parle des droits de l'homme en France. Pendant ce temps, Emmanuel Macron ne se gêne pas de recevoir des criminels génocidaires sur le sol français. Voilà, sortez et filmez de vos appartements pour savoir quelle est la politique de la France en Afrique. Plus rien ne nous arrêtera. Emmanuel Macron a barricadé la France. Paris aujourd'hui était barricadé. On a eu du mal à accéder jusqu'au Grand Palais. Partout il y avait des barricades. Obligé de s'arrêter, je ne sais pas à combien de kilomètres, pour marcher jusqu'à arriver ici là. Partout il y avait la police. Emmanuel Macron a montré qu'il a peur des résistants africains. Mais nous l'attendons pour 2022. On l'attend. Les amis, je vais couper le direct. Moi je suis clair. Je suis clair. Il n'y a pas de négociation. Plus de négociation avec l'Elysée. Plus de négociations. Oui, je vous ai dit, s'il faut que je sois fiché S dans ce pays-là, pour mon pays, je le saurai. Je n'ai pas peur. Voilà, Boya Rotala, venez voir toutes les voitures de CRX qui convergent maintenant là-bas pour arrêter nos frères. Viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Maman, on retourne là-bas. Les amis, il faut que je cherche un moyen de fuir, hein. Voilà, il y a des milliers de cars CRX qui arrivent dans ma direction. Parce que Macron a tellement peur qu'ils ont déployé la police partout. Non, c'était parce qu'il ne fallait pas qu'on reste là où il passe. Il devait s'arrêter, comprendre qu'on est des manifestants. Il devait comprendre qu'on est des manifestants et s'arrêter, nous embarquer. Donc vous voyez les amis, on doit se mettre à l'abri. On ne peut pas permettre qu'on arrête tout le monde. Donc il faut qu'il y ait quand même des gardiens du temple. Voilà. Donc je me mets à l'abri, mais mes amis derrière sont tous arrêtés. Et on s'était... J'avais déjà ma brosse à dents pour dormir au commissariat. J'avais déjà ma brosse à dents, ma pièce d'identité. Pour dormir au commissariat, dans mon petit sac. On s'est préparé à ça. Mais vu qu'on a arrêté tous nos amis, j'ai le devoir de me mettre à l'abri pour continuer la mobilisation. La mobilisation n'est pas finie. Tant que ces marionnettes, ces dictateurs criminels sont ici, faudrait bien qu'il y ait des gens qui vont mobiliser. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a peur. On n'a pas peur. Voilà, on n'a pas peur. Donc les amis, je vais vous laisser. Et nous, on doit chercher à savoir où est-ce qu'on a emmené nos amis, les autres. Où est-ce qu'on les a emmenés? Je vais chercher à me rapprocher de là où ils sont. Donc, si vous ne me voyez pas faire de direct à l'Elysée, parce que nous, on doit foncer jusqu'à l'Elysée. Ils ont un dîner avec Macron ce soir à 20h. Comme ils ne vont pas dormir à l'Elysée, ils vont retourner dans leurs hôtels. J'avais prévu de ne pas dormir chez moi. Mon mari va dormir seul ce soir. Donc, si toi, tu te dis résistant, appelle-moi et rejoins-moi là où je serai. Sinon, vous fermez. Vous formez vos caquets sur les réseaux sociaux. Les partisans de Paco, sortez. Sassou est là. Hein. C'est pas en République. C'est pas en République qu'il faut aller manifester. C'est là, à l'hôtel Bristol. C'est devant l'Elysée. Je vous attends. Venez montrer Kimobal Nabino. Kimobal Nabino, venez le montrer. Sassou est arrivé hier à 22h. Il a décollé hier à 22h. Oui. Sassou est là.
Monsieur Emmanuel Macron a été rusé. Quand je vous dis que notre combat, il est suivi, vous voyez bien qu'ils ont même retardé. Ils ont mis du temps à publier le sommet d'aujourd'hui dans l'agenda de l'Elysée. Il y a la police qui arrive. Marchons par là. Voilà, on va rentrer là, on va acheter les fleurs. Non, 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 c'est le SAMU. Ça, c'est les pompiers. C'est les pompiers. Je suis avec deux autres braves sœurs. Hein. Elles ont des bébés. Hein. Elles ont des bébés. Mais elles sont là. Elles ont abandonné leur bébé. Les sœurs, repartons vers le Grand Palais. Repartons. Il faut qu'on voit où est-ce qu'on a emmené nos frères. Ils ont mis du temps à publier ça sur l'agenda du machin. On nous a dit que Sassou ne venait pas. Donc tout ça là, c'était la dissuasion. Parce qu'ils voulaient nous empêcher de nous organiser et de sortir. Il fallait ne pas le mettre. Hein? Et Sassou. Hein? Donc Sassou vient là parce qu'il s'est engagé. Il s'est engagé à financer la campagne présidentielle de Macron. Alors que dans son pays, il n'arrive même pas à payer les pensions retraite. Il n'arrive pas à payer les bourses. Les salaires tombent à compte-gouttes. Hein? Au Congo, on vit encore comme au temps du Moyen-Âge. Mais Sassou a l'argent pour venir financer la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est là avec tous les dictateurs africains. Vous, jeunesse de France, c'est vous qui devez connaître. Vous devez vous intéresser. Et voilà. C'est nous. Oh, nous venons envahir la France parce que la France pille le pétrole chez moi, monsieur. Voilà, allez vous faire foutre. Imbécile. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Honte à vous. Qui finance qui? Idiot. La France gagne 70% du pétrole de mon pays revient à la France. Vous êtes pauvres, il y a quoi en France? Il n'y a que du camembert et des raisins. Ok les amis, mais je vais vous laisser. Et voilà, nous sommes en guerre là. Nous sommes en guerre. Donc, ceux qui sont en Île-de-France, rejoignez-nous. Voilà. Si la France peut se permettre de faire tout ce genre de choses-là, c'est parce que nous, on est là dans notre ignorance. On est content. On est content des allocations familiales. On est content parce que voilà, depuis que tu es en France, tu passes ton ménage à aller torcher les culs des mamies dans les maisons de retraite. Tu es content d'être en France parce que tu as un CDI, un contrat à durée indéterminée dans une société où tu fais le ménage. Tu es content d'être femme de chambre. 30 ans en France, tu es femme de chambre. Ton dos, il est bousillé. Bousillé. Vous êtes contente et incapable de sortir pour les choses graves. Là où on est en train de parler de ton continent, tu n'es pas là. Tu vas me dire que oui, je travaille aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui, mais nous tous on travaille. Vous savez combien de personnes ont posé des journées? Hein? Il y a des gens qui sont arrivés de Belgique, qui sont là. Hein? Pour traquer le nouveau président de l'Afrique, de l'Union africaine. Félix, tu sais qu'il dit? Un idiot. Tu travailles aujourd'hui, mais ta famille sont sacrifiées là-bas. Hein? Tu es content de travailler ici pour 10 personnes. Tu travailles, tu dois nourrir tous ceux qui sont en Afrique là-bas. Dis-moi, il y a quoi de. Quel est ton bonheur dans tout ça? Hein? Vous êtes fiers d'avoir des crédits jusqu'à la tête? Ok, les amis. Moi, je suis revenu au Grand Palais. Vous aimez les habits, hein? Vous aimez beaucoup les habits. Habillez-vous, mettez-vous les photos dans le Facebook. Et vos présidents sont en train de vous tuer, de vous sacrifier. Vous aimez les habits? Si vous voyez quelqu'un qui fait des théâtres, là, vous êtes 1 million de personnes pour aimer. Mais là, ton pays. Ton pays est sacrifié par le raciste Macron, un sorcier de long time. Voilà. Continuez à s'habiller, vous allez voir. Ils sont venus, ils ont eu la possibilité de mettre les Louis Vuitton qu'ils n'auraient jamais dû mettre au pays. Et ils sont contents de mettre les Louis Vuitton, de mettre les Lancel, les Christian Dior. Ils sont contents. De toutes les façons, je dis à partir d'aujourd'hui, à vous les Congolaises, vous qui passez votre temps, tu ne sais que publier tes photos. Tes photos. Du matin au soir, tu me publies tes photos.
n'essaie même pas de me demander en ami. N'essaie même pas. Et tous ceux qui ne partagent pas mes vidéos, sachez-le, je vais commencer à vous éjecter un à un. Vous n'avez pas votre place là. Parce que vous, vous êtes les complices de ces nègres de maison. Voilà. Un peuple inconscient. Bon pour l'esclavage. Un peuple confus. Un peuple préparé pour l'esclavage.